quelqu'un qui va beaucoup nous manquer, c'est Pierre, parce que il y en a qu'un qui se souvenait de la cabane pointue. Voilà. La cabane pointue, elle est juste derrière, là. Vous la verrez difficilement. Mais c'est une cabane qu'on veut refaire, mais on ne sait pas comment elle est. On n'a pas de photos, alors si un jour il y en a qui en trouve. Donc on est sur un site assez exceptionnel, parce qu'il y a une très belle vue. Alors il y a beaucoup de végétation, vous allez me dire, ben oui, il y en a un peu trop. Donc le projet, c'est un peu de dégager toute sa vue. On a la vue sur Lyon, bien sûr, sur les monts du Lyonnais. Ben, si vous continuez le chemin, vous verrez que sur Saint-Fontenon, c'est assez exceptionnel ici. La caborne Guillaume, par contre, cette caborne, elle avait l'avantage d'être en bon état encore. On a refait que le dessus, là. Bon, les murs, l'environnement, bien sûr, parce qu'il y avait de la lumière jusqu'à là. On avait du mal à... Et admirer l'encorbellement en forme de navire renversé, comme on dit. Il y en avait jusqu'à là-bas. C'était monstrueux. Ouais. Et c'est une curiosité parce qu'elle a été construite sous la route. Dans la caverne. Alors vous avez encore les traces. Des poteaux, ouais. Il y a le poteau. Ils ont creusé un trou. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose dessous. Donc ils ont vu le poteau. Thank you.
Elle est tout, de toute façon, l'esthétique est antiquitaire. Elle est magnifique, la laitue, là. La laitue, ce truc. Ouais, c'est une salade. C'est belle salade. Alors, c'est vrai. Mais tu verras après. Pourquoi après? Parce que les gens ils vont descendre et toi tu feras un mot quand tu auras plus. Ah mais d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc cette petite cabane en fer à cheval, bon, il l'a refait tout seul. Nous, pendant ce temps, on refaisait celle qui est en dessous qu'on ira visiter tout à l'heure. Donc on va faire une pause ici pour se rafraîchir. Vous allez visiter la petite cabane. Alors Michel a mis des photos qui... Non, j'ai fait un mur de pierre. Il a fait un mur de pierre. En hommage à Pierre, en fait, avec cette cabane. C'est vraiment lui qui l'a faite. Alors on aurait pu le nommer celle qui est là-haut, mais c'est lui qui l'a faite aussi, toute petite. Celle qu'on a reposée dans le mur. Mais celle-là, elle n'est pas accessible. Alors que là, elle est bien accessible. Tire sur le voile, là. Il arrive. Ouais. Bravo. Ça y est. Alors c'est marqué quoi là-haut?